Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est notre vidéo produit fini où j'ai fini pas mal de choses et pas des moindres. Regardez, c'est plein à craquer. Où je vais vous parler de produits skincare, de produits lambda quoi. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, vous connaissez le principe sur ma chaîne, je pioche carrément les yeux bandés et je vous en parle comme ça de but en blanc. Donc, vous savez, c'est un peu comme mon modus. Donc, on va prendre, gros truc que j'ai fini, un bon moment de ça. C'est de l'eau minérale naturelle de chez Aix-les-Bains. Alors, vous savez, c'est les eaux qu'on se pchite sur le visage. Moi, je m'en servais quand je m'épilais, parce qu'en fait, quand vous épilez un peu à l'épilédie, ça a tendance un petit peu à piquer, à faire mal. Et moi, en fait, je mettais ça sur mes jambes, j'humidifiais bien et je passais l'épilateur. Alors, je vous rassure, ça ne bouchait pas l'épilateur, ça ne faisait pas de trucs un peu chelous, non pas du tout, en fait c'était un épilateur qui pouvait s'utiliser avec de l'eau, donc ça ne posait pas de problème en soi. Alors la question, est-ce que je rachèterai ça? Peut-être, surtout pendant l'été je le rachèterai, parce que quand il fait chaud, ben, ça rafraîchit bien. Donc voilà, ensuite j'ai terminé, ben justement, vous l'avez vu je ne sais combien de fois dans mes vidéos, le volume glamour de chez Bourjois. Alors terminé, c'est peut-être pas le mot, mais il a tellement séché et en plus il a une odeur qui est vraiment une catastrophe. Donc vous savez, c'est un mascara avec une brosse classique, à poils classique, qui était bien noir, bien confortable et tout, que j'aimais beaucoup et que surtout c'était un mascara à petit prix. Est-ce que je rachèterai ce mascara? Je pense que oui, parce que je l'ai bien apprécié. C'est un mascara qui est vraiment confortable. Et quand vous savez pas quoi prendre entre les Jemais, les Bourjois, les machins, les bidules, ben, moi je vous conseille, si vous avez vraiment pas beaucoup de budget, vous orientez vers celui-là. Il est vachement bien. Et surtout, il est vraiment confortable au niveau des cils et tout. Après, il tient pas la courbure. Je vous le dis, vaut mieux si vous voulez avoir des cils vraiment recourbés, utiliser un recourbe-cils. Moi, vous savez que je n'aime pas le recourbe-cils, donc, et surtout que je n'aime pas approcher quelque chose de mes yeux si ce n'est pas du mascara. Donc, c'est à voir en fonction de vos envies, de vos besoins. Ensuite, j'ai mis dans ces produits finis un bloc polissoir, enfin de chez Bis, que j'ai eu en cadeau. Ça ne sert à rien, ça ne lime rien, ça ne polie rien. Donc je l'ai mis là-dedans parce que je ne vais pas le garder. Et surtout, en fait, pour moi, ça n'a aucune utilité parce que je ne fais pas de manucure, je ne fais pas de pose, je ne fais pas tout ça. Donc en fait, je l'ai utilisé quelques fois, j'ai vu que ça ne marchait pas, donc j'ai laissé de côté, pour pas dire que j'ai laissé tomber. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de chez Clorane, qui est le shampoing de la pivoine apaisant anti-irritation, que vous avez vu sur ma chaîne maintes et maintes fois, que je vous mettrai dans le petit ici, pour que vous saviez, vous faire un topo en fait sur ma routine capillaire quand j'ai des problèmes, on va dire, de cuir chevelu. C'est un shampoing que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Après, je pense qu'ils ont quand même refait la formule parce que je trouve la formule un peu plus liquide et du coup, peut-être un peu moins facile à presser au niveau du packaging. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est un peu défoncé ici. C'est un produit que j'ai déjà racheté, donc il marquait nouvelle formule, donc oui, la formule a changé, j'avais pas vu. Est-ce que je l'ai racheté? Oui, je l'ai racheté parce que j'aime bien avoir en fait un bidon de ça. Ben, au cas où j'ai des problèmes de cure chevelu et compagnie, donc oui, c'est un produit que j'ai racheté et que j'apprécie énormément. Et vous le savez bien, ça fait partie de mes produits un peu incontournables, de ma chaîne, de ma routine, donc voilà. J'ai terminé ensuite ma crème de chez Benefit que je vous avais présentée lors d'un haul. C'était pas d'un haul, c'était d'une présentation d'un coffret de Benefit, pas celui de l'année dernière, mais celui de l'année d'avant. Alors vous allez me dire, mais tu l'as gardé pendant presque 2 ans. Non, en fait, c'est que j'avais d'autres crèmes à tester. Et celle-ci, en fait, je l'ai entamée quasiment il y a un an à peu près. Et en fait, le pot fait 48,2 grammes. Donc, on va arrondir à peu près à 50. C'est un pot qui est déjà en verre. Vous voyez, il n'y a quasiment plus rien. C'est un pot qui est très profond que je vais réutiliser pour mettre des choses dedans. J'ai bien apprécié cette crème, pour être honnête. Mais après, je la trouve beaucoup trop riche pour ma peau. L'été, je la supporte pas parce qu'elle est trop riche. L'hiver, je la supporte mieux parce qu'elle est beaucoup, elle va bien pour ma peau, surtout pour je la mettais le soir, pas le matin. Je m'en servais parfois aussi de crème hydratante pour les mains parce que je trouvais qu'elle était super au niveau d'hydratation. Est-ce que je la rachèterai? Je sais pas. Peut-être que je la rachèterai un moment ou un autre. Mais pour l'instant, non, pas encore. Ensuite,
J'ai terminé mon parfum de chez Guerlain, qui est le Chalimar Souffle de Parfum. Voilà, le flacon est comme ceci. J'ai beaucoup aimé ce parfum, je trouve qu'il sent super bon. Il sent bon, c'est le seul Chalimar qui me va bien à la peau en vrai. C'est un Chalimar que j'ai beaucoup aimé, qui a une odeur orientale, mais qui n'a pas une odeur très entêtante. Après, tout est relatif, hein, au niveau des peaux, tout dépend des gens, tout dépend de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Moi, c'est un parfum que j'ai beaucoup apprécié, beaucoup aimé. Il en reste un petit peu, je pense. Ouais, même pas, il en reste pas beaucoup. Ah si, il en reste un tout petit peu. Il en reste un tout petit peu vers le fond. Bon, ça n'a pas, ça c'est pas, on va dire, ça n'a pas changé d'odeur. C'est vraiment un parfum que j'ai beaucoup aimé, que je serais susceptible de racheter. Après, j'ai d'autres parfums aussi qu'il faut que j'utilise, donc je ne vais pas le racheter pour de suite, mais c'est vrai que c'est un parfum que j'ai adoré. Ensuite, j'ai terminé un Déobie de chez Ushuaïa à l'argile absorbante. Alors, vous savez que j'adore le format pchit et j'ai voulu tester le format bille. Alors, le format bille est bien. Si vous aimez pas, en fait, si vous aimez pas les pchit, vous pouvez vous orienter vers le format bille. Si vous aimez le format pchit, vous allez aimer le format bille. En fait, c'est un produit, c'est le même produit sous deux formats différents. Et je trouve que quand vous voulez l'amener en voyage et tout, je le trouve beaucoup plus pratique que le grand. Et l'efficacité est la même. Vous savez que j'ai un problème de transpiration excessivement forte, que je ne peux pas m'acheter en fait des déodorants excessivement chers. Donc j'ai trouvé une bonne alternative, c'est celui-ci que j'apprécie beaucoup, il laisse une petite odeur, mais c'est une odeur de déo, c'est pas dérangeant, mais surtout qui est efficace et qui permet à moi de contenir vraiment en fait le problème. Donc est-ce que je le racheterai? Ben oui, je l'ai racheté, donc je l'ai racheté en format pchit. Donc oui, je sais que je rachèterai celui-là. Ben pour la peine, j'ai fini justement un grand pchit. Voilà, c'est le même. Le premier, c'est le cousin. Et là, vous avez les deux cousins. Des odorants que j'aime beaucoup, c'est des odorants que je trouve très confortables pour ma peau, qui sont quand même difficiles à trouver, parce que moi j'en trouve dans mon Carrefour, mais je sais que dans certains Monoprix, tout ça, ils n'y sont plus. Donc c'est d'autant plus galère pour moi d'en trouver, d'autant plus que ben, j'ai ce problème de transpiration, donc oui, il me faut en fait quelque chose d'assez efficace. Donc ensuite, j'ai fini un shampoing de chez Förtherer. Alors j'ai fini pas mal de réserves. Pendant ces derniers mois, j'ai fini pas mal de réserves. Donc c'est le Förtherer Naturia, shampoing extra doux. Celui-là, je crois qu'il y a des trucs de. Je crois que lui, il a une odeur un peu d'orange. Il y a des extraits d'orange dedans. J'aime beaucoup ce. Je vais y arriver. J'aime beaucoup ce shampoing. Ben, ça fait partie des shampoings que j'achète. J'achète, je rachète, je rachète, je rachète quand j'ai pas de soucis. J'utilise parfois des produits, faut pas se leurrer, j'utilise aussi des shampoings de grande surface, mais j'ai toujours tendance à me réorienter vers celui-ci parce que bah, c'est un produit qui certes est de pharmacie, donc il est un peu cher, qui est très cher pour pas dire, ou un shampoing, mais qui n'est pas agressif pour mon cuir chevelu. Donc pour moi c'est du tout bénef. Est-ce que je l'ai racheté? Oui, je l'ai racheté là il y a encore pas longtemps. Donc voilà. J'ai terminé ensuite ben, ma crème pour le corps de chez La Rosée. Je l'ai utilisée quasiment tout l'hiver. Parce que, en fait, cet hiver, j'ai eu des gros problèmes d'eczéma, des gros problèmes de sécheresse, surtout au niveau des jambes. J'ai une peau au niveau des jambes qui est extrêmement sèche. Et je me suis fait surprendre par le froid qui est arrivé vers janvier. Ce qui fait que je me suis carrément arraché la peau parce que ben, ça grattait, ça grattait, ça brûlait. J'avais la peau qui brûlait. Et du coup, ben, je l'ai terminé parce que j'en mettais des tartines. C'était vraiment. Je me tartinais de la tête aux pieds avec ça parce que ben, c'est un truc qui est extrêmement hydratant, qui est très confortable. Il y a une petite odeur de fleur d'oranger. Bon, il faut aimer. Hein. Moi, ça ne me gêne pas. C'est un truc qui est à base de karité bio, de beurre de karité bio. Alors après, on n'y croit pas au bio. Ça, c'est un autre débat. Mais j'avoue que moi, ça me donnait une peau excessivement confortable, qui ne me grattait pas, et surtout que ma peau de jambe tolérait. J'ai une peau de jambe qui est pénible, qui ne tolère pas grand-chose, qui soit peut m'aggraver l'eczéma, soit peut me le calmer. Ben ça fait partie des produits qui le calment. Pour pas dire que c'est un des très très rares produits qui me le calme. Est-ce que je vais le racheter? Oui, je le rachèterai, je serai susceptible de le racheter. Là, j'ai un autre lait à terminer, donc bien sûr que je ne vais pas le racheter de suite pour le réutiliser de suite. Mais c'est vrai que c'est un produit que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, j'ai terminé. Bon, là, ils sont deux.
sont en couple. Deux gels douche de Carrefour qui sont les crèmes de douche au lait au lait de coton que j'aime beaucoup. J'adore, je les adore déjà, j'ai pas de réaction au niveau de l'eczéma. C'est vraiment des produits que j'apprécie pour leur tout petit prix, sont à moins de 3 euros même pas. Ils sont vraiment, vraiment géniaux. Ceux qui aiment vraiment le côté cocooning, le côté fleur de coton vont vraiment les aimer. Enfin, moi, je sais que je les adore et quand je peux, je les rachète parce qu'honnêtement, pour la qualité du produit et pour la qualité du produit, le petit prix, moi, ça me convient très bien. Après, il y en a qui font plus attention aux copeaux, des choses comme ça. Moi, c'est pas mon cas du tout. Pour l'instant, je n'y fais pas trop attention. J'essaie surtout de cibler des produits qui conviennent à la peau de mes jambes et surtout qui ne me fassent pas de problème. Donc, voilà. J'ai terminé il n'y a pas longtemps. Ben, un produit que vous avez, qui est extrêmement connu sur ma chaîne, qui est le sérum Keraknil de chez Ducray. Je vous mettrai la vidéo en lien juste ici. C'est un produit que j'ai beaucoup apprécié. C'est un produit pour les peaux acnéiques, enfin, peau adulte à tendance à imperfection. Donc, bon, on va dire plus ou moins acnéique. C'est un produit que j'ai trouvé très, très, très confortable à l'utilisation. Ça m'a bien aidé au niveau des pores, des boutons, des choses comme ça. Vous savez que moi, j'ai une peau mixte, à sèche avec des imperfections qui me poussent un peu de partout quand ça s'y met. Et c'est vrai que c'est un produit que j'ai beaucoup apprécié par rapport à ça. Après, je reprécise, je vais me répéter, mais bon, c'est pas grave. C'est un produit pour peau adulte et non pas pour peau adolescente. Moi, je ne conseillerais pas pour une peau adolescente parce que les besoins ne sont pas les mêmes. La peau n'est pas la même. Et surtout, moi, j'aurais trop peur si je conseillais ça à un adolescent que ça fasse, on va dire, l'effet inverse au lieu de que ce soit efficace, que ça soit au contraire pas efficace du tout et au contraire que ça aggrave le problème. Vous savez très bien, la peau adulte et la peau adolescente n'est pas la même, la réception des produits n'est pas la même. Après, il y a des produits qui sont adaptés aux deux, il y en a. Moi, je sais que celui-là, je ne le conseillerais pas pour une peau d'ado, mais plus pour une peau de jeune adulte, voire d'adulte, parce que la peau, ben, plus ou moins, elle a eu un peu le temps de se faire à certaines choses. Donc voilà, est-ce que c'est un produit que je rachèterai? Oui, c'est un produit que je rachèterai parce que bon, au niveau des boutons, bon, ça promet boutons, ma marque persistance des premières rides. Donc moi, j'ai des marques qui sont juste ici, mais après bon, voilà quoi, je m'emporte, j'en fais pas, on va dire, une maladie. Première ride, bon, est-ce que je suis vraiment ridée? À vous de juger. À part peut-être au niveau du dessous d'œil où j'ai des rides, mais ça, c'est autre chose. Mais au niveau des boutons, c'est vrai que j'ai vraiment vu une différence. Donc, est-ce que je le rachèterai? Certainement, mais peut-être pas de suite. Ensuite, j'ai fini. Un mini shampoing de chez Furterer. Better revient chez Furterer, comme par hasard. Le Forticia. Bon, c'était un format voyage que j'avais emporté quand j'étais à Lyon. Bon, je l'ai fini après en revenant. Mais c'est un produit qui est pour. Déjà, qui est pour tout type de cheveux. Et qui est dans la gamme aussi pour. Qui est dans la gamme, je crois. Pour la chute des cheveux. Alors moi qui perds les cheveux, ça tombait très bien. En fait, c'est un shampoing où il y a des mini billes dedans. Vous avez des toutes petites bibilles. Vous massez, vous essayez en fait de les faire éclater dans vos cheveux avec le produit. Et ça libère en fait un produit qui renforce votre cheveu en fait. Donc, est-ce que je rachèterai ce produit? Je pense que oui. Mais vraiment, il faut que j'ai vraiment un problème de cheveux excessivement important pour pouvoir le faire en fait. Ensuite, j'ai terminé des échantillons de shampoing de chez Cartier. Donc là, j'ai le shampoing soluté yogurt, voilà, et un après-shampoing à la grenade. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Le shampoing n'était pas difficile à utiliser. Après, l'odeur, bon, c'était une odeur de shampoing, j'ai pas non plus noté quelque chose de désagréable. L'après-shampoing était confortable, par contre, je trouve qu'ils en mettent beaucoup trop peu dans les échantillons. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas avoir une grosse masse de cheveux comme moi j'ai. Moi, j'ai des cheveux qu'on pourrait qualifier de longs, mais qui sont pas aussi longs qu'à une époque pour moi. Donc, ils sont entre le long et le mi-long. Et qui n'en a pas forcément beaucoup. Donc, il faut vraiment, 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 vraiment y aller pour essayer de. Pardon, je renifle. Il faut vraiment essayer de tout prélever. Alors, certes, vous en utilisez un, vous en utilisez deux, vous en utilisez trois.
Moi, personnellement, je n'utilise pas deux échantillons pour ma thèse, j'en utilise un et puis je me débrouille avec. Mais après, il n'est pas désagréable. Après, pour le côté démêlant, parce que c'est un baume démêlant avant toute chose, je n'ai pas forcément noté d'efficacité au niveau du démêlage. Moi, j'ai des cheveux qui sont très très fins et très emmêlés. Est-ce que je peux dire que ça a été démêlant? Moyen, moyen. Est-ce que je les achèterai en full size? Je pense pas parce que les produits Cartier, la seule chose que j'aime bien chez eux, c'est l'argile verte. Et après le reste, c'est moyen, moyen pour moi. Ensuite, j'ai terminé. Après, c'est que des échantillons et des miniatures. J'ai terminé une base professionnelle de chez Benefit que j'ai bien appréciée. Alors après, je sais que il y en a qui n'apprécient pas du tout cette marque. Enfin, qui n'apprécient pas surtout ce produit, d'autres qui n'apprécient pas la marque, peu importe. Je sais que ce produit est aimé et détesté en même temps à cause du silicone. Alors, je ne vais pas donner mon avis sur les silicones parce que ce n'est pas le sujet. Mais moi, c'est une base qui déjà ne me déplaît pas plus que ça. Je la trouve confortable sur la peau, je ne la sens pas. Après, il ne faut pas en mettre 4 tonnes non plus, hein. Si vous voulez pas que vos pores se bouchent, vous n'en mettez pas non plus 4 tonnes. Vous en mettez une petite noisette et terminé. Enfin, moi, je sais que j'en mettais ici parce que j'ai des pores ouverts et ça faisait pas du tout uniforme. J'en mettais ici et j'en mettais là. J'en mettais surtout sur les zones où j'en avais besoin. C'est pas utile d'en mettre sur tout le visage parce que oui, c'est un produit qui est très siliconé. On le sent au toucher. C'est pour ça qu'il faut pas non plus en mettre beaucoup. Alors après, est-ce que les personnes qui la mettaient soit ont eu des boutons, ce qui est possible, soit en ont trop mis et ont eu des boutons, c'est possible avec les pores bouchés. Tout est une question d'osage. Alors, est-ce que je la rachèterai? J'en ai déjà pas mal en backup, donc je sais que la question ne se pose pas. Mais c'est une base que je serais susceptible de racheter par moi-même. Oui, c'est sûr. Ensuite, j'ai eu terminé un gommage éclat visage de chez Sephora au sable volcanique. Ça, c'est j'avais eu ça dans le calendrier de l'Avent. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Pas grand-chose. Pour moi, c'est un gommage. Alors, le truc, c'est que oui, c'est un gommage à grains. Donc, si vous n'aimez pas ça, passez votre chemin. C'est un conseil que je vous donne. Est-ce que je l'ai apprécié? Pour moi, les gommages, en fait, j'ai pas vraiment d'avis dessus. C'est des gommages, c'est pas forcément. Il faut vraiment que j'ai un coup de cœur pour un gommage. Et c'est pour un gommage pour vous dire, je l'adore, il est vraiment super, tout ça. Celui-là, en fait, se rapproche un peu de mon masque Glam Glow que j'ai à l'heure actuelle. Ce sont des bases un peu argileuses, donc oui, ça fait du bien à la peau. Oui, ça enlève les peaux mortes, tout ça, machin. Ça enlève les résidus de maquillage, c'est sûr. Maintenant, est-ce que je le rachèterai? Je pense pas parce que je suis pas une folle de gommage. Je suis plus masque que gommage. Donc, je l'ai testé. J'étais curieuse. C'est pas un mauvais gommage si on aime ça. Moi, personnellement, c'est pas le genre de produit en fait dont je suis une dingue. Donc, voilà ce que je peux vous en dire. Ensuite, j'ai terminé un échantillon du double sérum de chez Clarins. Alors, les échantillons comme ça, je trouve ça pas du tout pratique. Alors, certes, il faut casser et presser des deux côtés. Qu'est-ce que je peux en dire? Honnêtement, pas grand-chose en vrai. J'ai pas vu de. Alors, après, je sais que c'est un produit qui est très fort, donc il faut faire quand même relativement attention quand est-ce qu'on l'applique. Qu'est-ce que je peux en dire? C'est pas un mauvais produit, je pense, mais j'ai pas forcément d'avis dessus. J'ai voulu le tester, voir un peu la texture, enfin les textures surtout, c'est surtout ça qui m'intéressait. Le confort sur la peau, alors c'est vrai que sur la peau, on ne sentait pas trop, enfin moi je ne sentais pas trop de mémoire, mais c'est pas, déjà ce format d'échantillon, je trouve pas ça, on va dire, très 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 facile à utiliser. Et c'est pas un produit qui m'a transcendé, tout simplement parce que c'est pas un produit qui est adapté encore à mon âge. Donc j'ai voulu tester parce que je suis très curieuse, mais je dirais pour moi c'est sans plus. Je n'achèterai pas le full size parce que ben voilà, c'est pas adapté. Et je suis pas une grosse dingue encore de ce genre de produit, en fait. Ensuite, j'ai terminé en produit lambda une lime à ongles de chez Sephora. Alors, ces petites limes à ongles, c'est très bien dans le sac à main, mais après, Sephora, s'il vous plaît, arrêtez de. Ne mettez pas des limes à ongles qui ne tiennent pas la route. Moi, j'ai des ongles qui sont assez mous, qui demande en fait un entretien quasiment quotidien. Donc ce genre de lime en fait je les mange, je ne les utilise pas, je les mange en fait. Ça ne me fait même pas une semaine, voire un mois.
Donc, je sais que les limes Sephora ne tiennent pas la route, donc je ne suis susceptible de pas les racheter, malheureusement. Ensuite, en échantillon, j'ai fini ma crème solaire de chez Avène, qui est à 50+. C'est une crème solaire teintée que j'ai beaucoup appréciée d'ailleurs, qui ne laisse pas de film, on va dire, coloré ou des choses comme ça. Alors, c'est pas un fond de teint, ce n'est absolument pas un fond de teint, c'est vraiment une crème solaire teintée. Moi, c'est du 50 et plus au niveau des UV, que je trouve assez confortable. Après, moi, ce que je fais, c'est que je m'applique mes soins, je passe un coup de pchit, j'applique la crème solaire dessous et je laisse sécher. C'est ce que je vous conseille de faire si vous voulez pas que ça peluche sous votre fond de teint ou sous votre base, parce qu'autrement, ça sert à rien, faut tout recommencer. Alors, est-ce que j'achèterai le full size? Certainement cet été, mais pas encore maintenant, parce que j'ai d'autres choses à finir et j'aime pas cumuler, en fait, les trucs. Ensuite, j'ai terminé lors de mon voyage à Lyon ces petites dosettes de chez Sephora que je trouve bien pratiques, soit dit en passant. Là, c'était la senteur Lagon que j'ai bien aimé. C'était une crème de douche. J'ai bien aimé l'odeur, je l'ai bien appréciée. Et je trouve ça bien pratique. En fait, c'est compact, c'est pratique. Vous êtes tranquille, vous l'emportez dans votre trousse de toilette. Vous n'avez pas besoin de prendre les contenants. C'est vraiment génial. Ensuite, j'ai terminé. La crème Reboost de My Clarins, donc c'est la crème matité et hydratation. Voilà, merci Focus. Que j'ai bien apprécié. C'était en plus, je voulais vraiment la tester pour le coup, parce que moi j'ai une crème, j'ai une peau mixte à tendance à déshydrater. Plus mixte à déshydrater que mixte à mix à sèche. Et c'était ça que je voulais tester depuis un bon moment, mais honnêtement, je l'ai bien apprécié. Après, c'est vraiment une texture crème, c'est pas une texture gel. Donc celles qui n'aiment pas les textures gel vont être un peu déçues. Enfin, celles qui n'aiment pas les textures crème vont être un peu déçues. Et a fortiori, celles qui aiment les textures gel ne vont pas aimer non plus. Mais je trouve qu'au niveau de la matité, elle est vraiment bien. Elle est pas chère. Le full size est pas cher. Elle est à 25 euros. C'est vraiment un produit fait pour les peaux, pas jeunes, mais je dis pas peau jeune, mais peau, on va dire, plus. Qui n'est pas. Qui est entre l'adolescent et le trentenaire, en fait. Enfin, pas l'adolescent. Qui est entre le jeune adulte et le trentenaire, en fait. Donc voilà, est-ce que j'achèterai le full size? Très certainement, parce que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé mon masque éclat de chez Avène, masque apaisant éclat. C'est un masque que j'ai beaucoup aimé, que j'utilisais surtout après le démaquillage, parce que concrètement, ma peau, ben, elle rougissait. Je l'utilisais quasi quotidiennement, fut un moment. Alors certains vont me dire, ah, c'est pas bon, c'est ci, c'est là, oui, certes. Mais moi, c'était surtout pour éviter que ma peau tiraille à la fin. Et j'étais bien contente de l'avoir. Alors, est-ce que je l'achèterai en full size? Je l'ai acheté. Donc oui, la question ne se pose pas dans ce cas-là. Ensuite, il reste plus grand-chose. On arrive presque au bout. J'ai terminé mon anti-âge de chez Je mets Maybelline. J'ai beaucoup aimé cet anti-cerne. Franchement, je l'ai bien aimé. C'est une très bonne surprise. Après l'embout, il faut aimer, c'est un embout mousse, donc je sais que pour l'hygiène, c'est pas top. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, j'estime que quand on l'applique sur soi, en fait, on s'en préoccupe pas trop. C'est que quand on l'applique sur les autres, que là, je comprends les réticences. Je l'ai bien aimé, je l'ai bien apprécié, il se blende bien, il se fond bien, il n'y a aucun souci. Moi, c'était la teinte 000 ivoire, parce que je suis pâle comme un cachet d'aspirine, vous le voyez bien. Et franchement, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, que je suis susceptible de racheter parce que pour le petit prix, il pourrait détrôner pas mal d'anti-cernes chers. Et pour terminer, j'ai terminé, alors oui, je l'ai terminé quand même, un gloss de chez Clinique qui est comme ça, donc il en reste un peu sur les côtés, c'est normal, j'arrivais pas à le curer, donc tant pis. Alors c'est un gloss qui a très très mal vieilli, qui est devenu très pâteux, très collant à la fin. Bon après, il n'était pas désagréable, moi je le mettais des fois quand j'avais pas de baume à lèvres. Parce que ça m'empêchait de me mordre les lèvres surtout. C'est un gloss que je n'ai pas détesté, mais que si la collection existe encore, que je ne rachèterai pas pour autant. Je ne suis pas une grosse fana de gloss. Ce n'est pas trop mon truc, je préfère les rouges à lèvres, de toujours d'ailleurs. Mais c'est pas un mauvais produit de base. Voilà ce que j'en dirais, mais sans plus en fait. Donc voilà, écoutez, mes petits amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui sur mes produits finis. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, des avis, que ça vous aura peut-être aidé à faire votre choix, que sais-je. N'oubliez pas que les commentaires sont là pour des échanges, pour discuter.
Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Et surtout, ça met du baume, ça fait du bien au moral, ça met du baume au cœur. Et si vous avez encore un peu de temps, je vous mettrai une autre vidéo juste là, ou juste là, ou juste là, selon où ma tête va se situer. Et en attendant, je vous fais des gros bisous.